Et on continue notre petite aventure. Ok. Donc, aussi, il y a un truc que j'ai pas vérifié, c'est ça, enquêter sur le chien de la vallée. Oui, on a vraiment pas trouvé. Ok, ça marche. On est de retour, on va continuer notre... on est un peu lourd, hein. On est fatigué en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais on va continuer tant qu'il y a du... de l'aurore boréale. Ah, j'ai dessiné. Non, j'ai pas dessiné. C'est pas très grave. Oh, on est bon. Excuse-moi. Donc ma femme s'est transformée en mec. Ma femme s'est transformée en mec, donc Cassandra est devenue un homme. C'est à la mode. Donc ce qui s'est passé, c'est que je viens de quitter le jeu et tout ça. Parce qu'en fait, l'épisode était trop long. Et j'ai édité tout ça, le machin. Et je viens de recharger la partie. Donc ouais, maintenant il a une voix d'homme. Elle a une voix d'homme, pardon. On va dire que c'est la mode. Bon, en tout cas, la bonne solution, la bonne chose, c'est qu'on a trouvé... c'est qu'on a trouvé l'endroit. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, on est de retour. On va tester un truc. D'accord, donc ouais, ma femme est un mec. Oh mon dieu, Interland, vous savez strictement rien faire, j'en ai marre. Donc ce qui se passe, donc en gros, le dernier épisode, en fait, durait un peu trop longtemps. Et j'ai décidé de le couper. Donc je me suis arrêté dans cette grotte, dans le dernier épisode. Et j'ai fait une pause. Donc j'ai quitté le jeu. Maintenant, je viens de recharger, j'ai relancé. Et je l'ai vu que quelqu'un s'était plaint de ça. Je pensais pas que c'était aussi commun. Apparemment, si. Donc maintenant, mon perso féminin a une voix d'homme. Super. Et donc j'ai quitté et rechargé. Donc là, on va encore le refaire. Je crois que ça va être exactement la même chose. Ouais, non, c'est un mec. C'est un mec. Je sais pas quoi faire. Ce studio est une blague. Donc du coup, j'ai un peu joué tout à l'heure. Quand j'ai vu que mon perso en fait avait changé de voix. Après j'ai voulu quitter. Après j'ai rechargé. Puis après j'ai commencé l'épisode du coup. Donc on est là. Donc normalement, voilà, on doit trouver ça. Honnêtement, je suis même plus content d'avoir trouvé le bunker. Enfin, j'y suis pas encore allé, hein, je sais pas ce qu'il y a dedans. Quand je m'en suis aperçu pour la première fois que mon perso avait changé de voix, c'était là, en fait. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai quitté et relancé le jeu. Mais ouais. Ah, ben là, ça me... Oui, ça me... Ouais. Le fun. Il y a tellement de problèmes dans cette mise à jour, c'est incroyable.
Enfin bref, on va continuer parce que là je suis en pleine mission et j'ai pas vraiment envie de m'arrêter. Donc on a très peu de temps encore avant que la nuit s'arrête. Donc je voudrais trouver absolument le bunker. J'espère qu'il est proche. Le problème c'est que j'ai peur qu'il soit... Ouais, j'ai peur qu'il soit là-bas. Ah, peut-être qu'on peut passer par là? Non, c'est un cul-de-sac, évidemment. Évidemment, c'est un cul-de-sac. Can't feel my feet. Ferme ta bouche, t'es censé être une femme. Est-ce qu'on peut monter par là? Je sais pas par où on monte en fait, ça doit être de ce côté là-bas alors du coup. So cold. Just wanna lay down for a bit. Incroyable. Y a pas une option pour retirer les voix? J'ai même pas envie de jouer. Ça me gave, là. Non, franchement, ça me prend la tête là. On passe tout le tour en plus pour remonter. C'est super, c'est magnifique. Exactement où on va. Là, y a rien. Bon, moi, la radio, elle fait du bruit dans l'inventaire, à la limite. Je sais pas comment on monte. Je sais pas comment on monte. Donc du coup c'était de ce côté là-bas. On va devoir se reposer et faire ça la prochaine fois en fait. Est-ce qu'on peut aller dans une des grottes? Non, même pas. Bon bah du coup on va revenir dans la grotte où on était et on va dormir tout simplement. Ça me tue ce truc là, peut-être qu'on peut passer par là. Ça me tue ce jeu, ça me tue. L'Interland sont des branquignoles d'une force incroyable. Incroyable. Je vais être honnête. Là, ça m'amuse pas en fait. Là, ça m'amuse pas du tout parce que il faut le personnage, il va rester comme ça tout le temps et ça va me gaver. Là, vous voyez que je fais même plus vraiment attention. On va dormir le plus possible. C'est pas grave. Donc il faut que je trouve un moyen de remonter. Okay. Bon, on a récupéré un peu d'eau, un peu de vie, pardon. On n'a pas récupéré énormément de vie, hein, je vais être honnête. Ouais, ça va.
Par contre, faut voir ça. Donc on est là, donc ça doit être ici en fait. Ça doit être par là. Donc comment on fait pour remonter en fait? C'est ça ma question. C'est quoi ça, grotte de la vallée? Ah, sûrement une corde quelque part, je dirais. Peut-être que je l'ai pas vu pendant... J'ai pris le... Ouais, je l'ai peut-être pas vu pendant la nuit. On va voir. Ça me prend la tête. Et après, les gens viennent... Mais tu te plains, tu... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là, d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, d'autre? Honnêtement. Il y a une mise à jour, il y a 150 bugs. Genre, en 3 épisodes, depuis... Depuis la mise à jour, en 3 épisodes, il y a 3... Dans les 3 épisodes, il y a des problèmes de fou. Il y a des problèmes complètement cinglés. Je vais faire une vidéo pour prévenir les gens de pas jouer, honnêtement. Je vais faire une vidéo pour dire aux gens de pas jouer. Vous voyez, pour une fois, je me suis pas écouté. J'aurais dû le dire de pas jouer. J'aurais dû le savoir. Mais maintenant, c'est fait, je peux pas revenir en arrière. Donc il y a sûrement une corde qui doit traîner quelque part pour monter. Je l'ai pas vu. Bon, après, j'étais trop fatigué, j'aurais pas pu la prendre. J'aurais vraiment pas pu la prendre. Mais il doit y avoir une corde qui traîne, en fait. Ou alors un lieu pour attacher une corde. Quasiment sûr de ça. Et j'ai pas dû la voir dans la nuit. Alors là, on peut voir s'il y a des rochers ou pas. Parce que ça m'étonnerait que ça soit dans cette direction et qu'on puisse pas monter. Il y a des cordes partout ici. Là. Non. Oh, là-bas! Non? Attends, non. Pardon, je me suis excité pour rien. Il n'y a pas de corde du tout? Je suis... Je suis perplexe. Ou alors, il n'y a pas de corde installée. C'est encore une autre histoire. Oh putain, elle était là. Elle était là. Elle était là. Faut voir le poids. 42, ça va. Ouais, non, non, jamais on aurait pu monter en fait. Jamais, jamais. On va dessiner quand on est en haut. On se fatigue extrêmement vite. Je sais pas pourquoi. What the fuck? Elle est partie où, mon endurance? Elle est partie où, mon endurance? Ok, on peut dormir une heure. On va se remettre un peu à fond. On devrait pas avoir froid. Parce que c'est 6 degrés le sac de couchage. Ok, il reste plus beaucoup. Enfin, je vais être franc, il reste quand même pas mal. Hein. On a du café.
C'est quoi cette merde d'endurance là? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que... Parce que ma barre elle est petite en fait? Mais ça a jamais fait ça de la vie, hein. C'est jamais... C'est pas lié à ça, hein. C'est pas lié à ça, hein. Ok, là c'est 13 degrés par contre. On va devoir y aller. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Non mais il y a un problème, hein. Mais il y a un problème de ouf, hein. Mon dieu. Non mais Interland, arrêtez de faire des mises à jour. Arrêtez, hein. Putain, on est où? Je dessine la map, je la regarde pas, quoi. On est là. Ouais, on est retourné sur le plateau du haut, en fait. Donc, nous, c'était plutôt vers là, en fait. Je crois bien. Ouais, genre même peut-être là-bas. Le bip bip. Can't feel my hands. Oh la vache! C'est quoi ce bordel? J'ai pris le sac de couchage, oui. Là, on peut pas, hein. Donc on va continuer ce chemin là, puis on va bifurquer à la vers la droite. Faut qu'on se repose, faut qu'on trouve un endroit pour se reposer. So cold. C'est quoi ça? On dirait une corde. Je vois pas. Si, il y a une corde. Non, mais tu vas pas me dire qu'il faut encore reprendre une corde. Ah, non, 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 on est sur le chemin. Ouais, on est où est-ce qu'on était? Bah, du coup, il n'y a pas une grotte pas loin, là. Attends, je crois qu'il y a un truc, là. Une ours. Attends, du coup, on doit être là. Attends, on n'est pas à la grotte où il y avait le loup bugué là. L'ours bugué. On se repose. On pourrait faire du feu ici. Oh, je crois que c'était là. C'est bon, on est là. Vous voyez les corbeaux, là, tous les corbeaux? C'est la grotte, on va pouvoir se reposer. On va aller se reposer là-bas. C'est où c'est qu'il y avait l'ours qui était buggé? Et là, normalement, on a continué de bifurquer vers la droite. Donc, du coup, on devrait être à l'endroit où il y a le... Le bunker, j'imagine. Mais bon, il nous faut une aurore boréale. Ah, on l'entend toujours. Attendez, on va prendre des... Elle est toujours buggée, c'est bien. Feels like night is coming. Ferme ta bouche. T'es pas censé... parler... comme un homme. Ah oui, c'est vrai. Putain,
Genre, je sais pas quoi. Je suis désolé, je dois être de mauvaise humeur et tout. Hein, ça doit même pas être fun à m'écouter. Hein. Mais là. Là, je veux juste finir. Là. Dis-moi qu'il y a une aurore boréale. Y a pas d'aurore boréale. Sérieux. Juste donne-moi une aurore boréale qu'on en finisse, quoi. Honnêtement, franchement. Juste qu'on en finisse, s'il te plaît. Non, y a une tempête. Plus d'eau. Le con là qui fait du bruit tout le temps. Pas grand chose, j'ai envie de dire en fait. Il n'y a pas grand chose à faire, honnêtement. Vraiment pas. On peut faire du feu, on peut faire de l'eau, on a de la nourriture. Il n'y a pas de problème, honnêtement. Il n'y a franchement aucun problème. Mais bon. Il manquerait plus que le machin m'attaque. Là, je pèterai un câble. Oh yes, ok, cool. Donc, de ce côté. Oh putain. Sérieux, il y en a autant? Je dirais plutôt de ce côté-là. Ok, go, 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 go. De ce côté-là. Pourquoi je le captais pas de l'autre côté? Pourquoi je le captais pas quand j'étais dans la grotte? Parce que là, je suis en train de faire le tour du rocher, là. Enfin bref, d'accord. Hein? Au bout d'un moment, tu sais, on va devoir arrêter de se poser des questions et essayer de rationaliser. Parce que là, ça marche plus. Là, il y a zéro raison. Je vois pas pourquoi je captais pas le truc. Enfin, nique-toi, le jeu. Je suis tellement énervé, vous savez même pas. Je reste calme, mais je suis tellement énervé. Je suis tellement dégoûté du jeu. Ah, cet épisode, je suis désolé, mais ça va sûrement pas vous plaire. Il y a beaucoup de gens, ça va pas leur plaire. Hein. Mais je crois que j'ai des bonnes raisons à être énervé. Je crois que j'ai des très très bonnes raisons à être vénère. Ok, je veux juste trouver ce putain de bunker et j'arrête de jouer après. Attendez. Ouais, voilà. Il y a un ours aussi. Ok, ça c'est le bout. Tiens, là il y a un truc qui met 7 ans à... Prends ton temps. Hein. Vas-y, ramène-toi. Ouh, j'ai loupé la tête. Plus là. J'ai entendu un ours. Ah, c'est peut-être la voix. Non, c'est peut-être le bruit du loup en fait qui est modifié. C'est ça que j'ai dû entendre. Ok, c'est peut-être par là. Cold is making my head feel thick. Ferme ta grande gueule.
Super, on doit être proche. Oh la vache, putain, toi. Pour gagner du temps. Il doit être derrière ces rochers. Ouais, 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 ça doit être là. Never felt so cold in my life. C'est là, c'est ça. Yes, let's go. On est bon. Oh mon dieu! Et après ça, je vais faire une vidéo de sur le jeu, sur la mise à jour, de pas jouer au jeu, que c'est de la merde. Alors, bunker gamma, c'est parti. T'as intérêt de me donner des trucs intéressants, parce que... Bah si tu me donnes de la merde, je vais me péter un câble. Super. Ah, le problème c'est que je vois pas grand chose en fait. Alors, on va lire tout ça. Comme ça je vais pouvoir faire le tour tranquille. Et après, moi, l'épisode sera sûrement court. Session 14, Project Medical Officer interviewing patient 7. Return to the first instance. What did you see? It was at the beach. Just pictures in my head, feelings. One of those beaches where the sand goes way down to the water, no drop off. I remember a gray day and dark water, no wind, no waves. I was alone, looking around a lot. I didn't understand what was happening. What do you think when you're that little? Always wondered why it was that day, that trip, that stuck with me. Focus on the ending, the final frame. They lost me. Just a little kid. Ok, c'était pas vraiment intéressant. On établit. J'ai pas vraiment envie d'utiliser une... Je suis désolé, j'ai pas vraiment envie d'utiliser... une torche, parce que sinon... voilà, ok, deuxième lecture. The island hasn't been making our lives any easier. Hauling loads from the coast to the inland bases has been slow and costly. And people are starting to notice our operation around the airfield and mine. It's getting harder to stay under the radar. But the character of the locals, both here and far inland, seems in our favor. There aren't any helping hands. Outsiders get ignored and then forgotten. And we play the part. Okay. Ah, très bien. D'eau potable, ok, ça marche. C'est bien. Soupe de tomates, ok. Donne-moi des trucs un peu uniques, parce que là, honnêtement, je mérite. Parce que honnêtement, ça commence un peu à me gaver. Aussi, je risque de couper l'épisode juste après. Une fois qu'on aura fini de fouiller, honnêtement, je crois que je vais couper l'épisode. Et ce que je vais faire, c'est que moi, je vais rentrer... je vais peut-être faire un épisode genre farm Hamilton, boîte de maïs, ça c'est cool. Farm Hamilton, genre farm et conversation, la discussion. Peut-être faire ça, je vais arrêter l'épisode après ça, parce que honnêtement, je suis pas vraiment d'humeur. Et ça doit pas être fun, en fait, de m'écouter. Et je vais genre faire Milton, faire le tour de Milton. Et après ce qu'on va faire aussi, ce que je vais faire, c'est comme j'ai dit, donc faire Milton pour récupérer des nouveaux objets si jamais il y en a. Et surtout après je vais rentrer du coup. Il n'y a strictement rien. Je vais rentrer au lac Mystère.
Et faire pareil, un peu de farm. Je crois que je vais devoir utiliser une torche. Je vais peut-être rentrer à... au lac Mystère. Et après, on enchaînera sur une autre aventure, je pense. On ira sur un autre endroit. Là, on est à 67%, donc enquêter machin sur le signal, enquêter sur le signal. Okay, ça... je voudrais pas faire le truc de mon côté. Ok, je vais allumer une torche. Ah, vous savez quoi, pour éviter de sauvegarder... Parce que j'ai pas envie d'utiliser d'allumettes, en fait. C'est tout con, mais j'ai vraiment pas envie d'utiliser d'allumettes exprès parce que... Parce que je pourrais en fait attendre la journée pour voir mieux. Mais je veux faire le tour du bunker avec vous pour vous montrer ce qu'il y a en fait. Donc ce que je vais faire, voilà, on rentre, comme ça ça sauvegarde. On allume une torche, on fait le tour et si jamais il n'y a rien, je quitte maintenant. Comme ça j'aurais pas perdu mon allumette. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait on n'a pas de lumière pour rentrer avec la grotte, vous vous rappelez? Donc on a que des torches et des allumettes. Donc si je peux utiliser le moins d'allumettes possible, je le fais. Là, je le fais vraiment pour être sûr de rien louper. Comme ça, je vous le montre et on fait ensemble. Sinon, j'aurais attendu que le jour se lève, en fait. Mais honnêtement, je crois qu'on a tout pris. Je crois qu'on a vraiment tout trouvé. Et c'est honnêtement pas beaucoup. Bon, après, j'imaginais pas que ça allait être méga bien non plus, mais... Mais quand même. Ah ok, ouais, voilà, c'est ça que j'avais vu en fait, c'est plein de petits tiroirs. Ok, strictement rien, là y a rien. On a eu quoi? Deux fusibles, c'est ça? C'est vraiment de la merde. Surtout qu'on en a plus besoin. À la limite, le câblage est plus intéressant parce que maintenant on peut en faire des... des appâts, le câblage. Donc à la limite c'est beaucoup mieux d'avoir ça. Ouais, je crois qu'on avait tout. Ouais, bon, on avait tout en fait. Ça c'est l'eau non potable. Okay. Ouais, on avait tout. Ouh la vache, qu'est-ce que... Ouh mon dieu, regardez-moi ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ok, bon, on avait tout. Alors du coup, on a récupéré donc deux fusibles. Et c'est à peu près tout. Bon, après, on a fait la cache aussi. On a eu l'outil de qualité qui est très bien. Deux fusibles, c'est pas vraiment intéressant. Encore une fois, j'aurais préféré du câblage à la place, c'est pas grave. On a eu un outil de qualité, on a eu une pierre à aiguiser, ce qui est bien. Ces deux choses sont très très bien et très rares, ça c'est cool. On a eu quoi d'autre? On a pu... J'essaye de relativiser et de voir le positif. On a récupéré, on a tué des nouveaux oiseaux. Là, on a récupéré le duvet, ce qui est bien. On a ça qui est nouveau, vraiment cool. On a des racines qu'on a trouvées, on a trouvé des glands, c'est cool. On a trouvé une boîte de maïs. Je sais. Alors honnêtement, le pire dans tout ça, c'est que je crois que le maïs en boîte, il sert strictement à rien. Je crois pas qu'il y ait de recettes. Alors, après, je peux me gourer, hein. Peut-être que c'est des recettes, vous savez, uniques qu'il faut trouver. Mais à ma connaissance, pour le moment, il n'y a pas de recette avec ça. Donc à la limite, on a genre la conserve la moins utile dans le jeu. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Et après on a récupéré donc la recette niveau 5 qu'on a trouvé deux fois, donc ça je suis content par contre. Je pense que des recettes comme ça en fait de niveau 5 sont dans des zones en fait difficiles. Je pense que c'est ça. Et après le plus important, on a fait notre mission. Donc ça va, on a fait notre truc, c'est bien. Maintenant il reste plus que ça, enquêter sur le signal de la crique lugubre. Donc on ira à la crique lugubre. Dans un temps, la crique lugubre c'est là. Il faut que je me rappelle par où passer. Je crois qu'il faut passer par le ravin, parce que la crique lugubre il y a deux endroits en fait pour y passer. Il y a genre le côté droit et le côté gauche, et je crois que nous il faut passer par le ravin, il faut passer par le haut. Donc ça, je préparerai ça, et je pense que le prochain épisode ça sera dans pas mal de jours dans le jeu, je veux dire, parce que je vais faire un peu le tour de Milton, je vais faire un peu le tour du lac Mystère,
Je vais essayer de préparer des aliments si j'arrive à trouver ce qu'il nous faut. Donc ça sera sûrement des épisodes de farm en fait, farm et discussion. Et je passerai mon temps à me plaindre de Interland parce qu'ils savent pas coder leur jeu et ça commence à me casser les noix. Parce qu'on paye, on paye pour ça. Et là, en théorie, j'ai peut-être ma sauvegarde qui est complètement niquée parce que mon personnage, maintenant qui est une femme, maintenant a une voix d'homme. Voilà. Donc potentiellement, je suis dans la merde. Voilà. C'est bien, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Donc ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Désolé que cet épisode soit court et soit frustrant pour moi. Vous inquiétez pas, c'est nettement pire pour moi que pour vous. Mais voilà, on se reverra la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao. Bon courage. Ciao.